Bonsoir, beau gosse. Salut, ça va? Moi, je suis une bite. Bref, j'ai pris Pokémon Violet. Bon, les gars, il est giga tard, mais on va se faire la ligue Pokémon de la 9ème génération. Donc, Pokémon Violet pour moi. Et ouais, c'est Omega Galaxy. Ok les petits potes, donc je voulais vous filmer ça avec une super méga qualité avec mon Avermedia, sauf que bah, je trouve plus l'Avermedia alors qu'on m'avait prêté un PC. Donc je vais quand même me faire la ligue, même si la qualité est moindre. Il faut absolument que je voie qu'est-ce que ça rend de faire vraiment la ligue de ce jeu comme ça. Alors déjà on a affronté les 4 du conseil 4, donc un mec qui était déjà dans une arène d'avant en type normal, là il est de type, je vous laisse découvrir, spoil. Vol. Lui, il était type sol. Elle, c'était de type acier. D'ailleurs, lui, là, en parlant de type acier, lui, il a dit terrible désillusion. Au calme. Il est sorti une réplique de Fidong. Et à lui, bah, j'ai essayé de deviner qu'est-ce que c'était. Je me suis dit, ça serait un type dragon. Et il était type dragon. Donc, c'est parfait. Je vais sauvegarder. Je sais plus si j'ai sauvegardé. Et là, on va affronter le maître. Et il y a Menzi dans l'histoire, mais je sais pas si on va l'affronter. Je pense que oui. Peut-être qu'il y a bien peut-être de battre la maître. Je sais pas. Allez. Ok, stylé. Je te souhaite la bienvenue, Omega Galaxy. Cela fait énormément plaisir de te revoir ici, au sommet de la Ligue Pokémon. Ta dernière épreuve est on ne peut plus simple. Tu dois te battre contre moi. Vaincre la maîtresse en chef est la condition sine qua non pour réussir cet examen. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cependant, avant d'aller plus loin, permets-moi de te donner un petit avertissement. J'ai beau être la présidente de la Ligue Pokémon, j'investis beaucoup quand je combats. Je ne fais aucun compromis. Et je donne tout pour m'emparer de la victoire. Et en conséquence, peu de candidats viennent tenter cet examen à mon grand regret. Néanmoins, je sens bien que tu es différent. Tu me rappelles maîtresse Menzi, au fond. Pour toi non plus, rien ne semble impossible. Mais, trêve de bavardage, tu es prêt? Alors, montre-moi tout l'étendue de ton talent. De tes talents. Allez, une musique. Une musique de boss. Allez. Ok, ça commence moyennement bien. On a quand même une bonne équipe, hein. Je vous la présente juste là à l'instant. Alors on a une grignote mom, un hamster qui bouffe ses enfants. On a Tsurugi de Inazuma Eleven Go, donc Victor Blade. On a Docteur Dedodil, mon starter. Donc un mélange de mots entre Docteur Robotnik et un crocodile mort. On a Olive et Tom, parce que c'est une olive. On a Bousillé, parce que c'est un dragon qui bousille tout. Et on a Rebecca, du manga Cyberpunk 2077, Edge Runner. J'aurais pu aussi l'appeler Power, comme beaucoup de gens appellent Power, puisqu'elle a un marteau. Mais moi, je l'ai appelé Rebecca. Donc là, on se retrouve du coup face à un Pokémon un petit peu encombrant, mais je pense qu'on peut, commencer les festivités avec ça au moins. Et on loupe notre coup, c'est super, contre la maîtresse de la Ligue Pokémon. Et une protection. Bon, protection, ça va. Disons que, au moins, on s'est pas fait attaquer pour ce premier tour. Bah, parfait. On va pouvoir switch, j'imagine. Tsurugi... Est-ce qu'on pourrait se placer et tout? En vrai, je crois que ça, c'est super efficace, hein, Rebecca. Il me semble qu'en face, c'est type combat. La paralysie, de toute façon, joue en notre faveur. C'est quoi ça? Ils ont pris une attaque de Latias et Latios et ils l'ont refaite. Ah, c'est même pas type combat, d'accord. Bah, un petit sabotage. Ok, c'est de la merde. Mais au moins, on sait que c'est faible au type ténèbres. Donc c'est un type spectre et combat peut-être. Mais non.
Bah, Spectre et Vol, enfin, je sais pas. Spectre et Psy? Ça doit être Spectre et Psy, alors. Bon, faut qu'on se taille. Et si c'est Psy, on peut venir. Mais comme c'est un Spectre, il faut faire gaffe. Allez, vas-y. On va mettre le MVP de ce jeu. Tsurugi. C'est moi qui vous le dis. Victor Blade. Ok, ça fait quand même mal. Hein. Et ça baisse la défense spéciale. Bon, on n'en aura pas vraiment besoin. Tant qu'on est plus rapide. On va attaquer directement parce qu'on ne peut pas se permettre de mourir là-dessus. Bon, ça fait 1-0 pour nous. Je crois qu'on n'a pas perdu de Pokémon encore. C'est ça. Alors, on voit Seracrawl. Ah, donc déjà, c'est pas la forme de issue, mais ça, c'est pas grave. Seracrawl. Bah, c'est un Pokémon glace, donc c'est bon, on est type feu. Même pas besoin de changer. Je pense qu'on peut le one-shot, à mon avis. On va même pas essayer de se placer là-dessus. Lame en peine, attaque signature. Ah non, bah, il est résistant, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même un Pokémon défensif. Donc, on va se faire manger, là. Un petit séisme. Ah, ça va. Du coup, on aurait même pu se placer, etc. Faut pas oublier qu'après, on a accès à la Terra Crystal, donc il faut faire quand même attention. Et d'ailleurs, l'âme en peine récupère des PV. Dès qu'on fait mal. C'est une sorte de vampipoint, mais de type feu. Ok. Scalpereur. Oh la badassitude. Vas-y, on reste. Juste pour le flow. Scalpereur. Ah ouais, il est assis et tout. J'ai pas vu le sprite en entier, moi. Vas-y, lame en peine, à mon avis, ça fait mal. En plus, on va prendre des PV. Ok. Il va peut-être nous one-shot s'il fait un coup critique avec. C'est quoi ça? D'accord, il nous a one shot avec une autre une attaque signature que je connaissais même pas. C'est stylé quand même. Mais tu sais quoi? On n'a pas dit notre dernier mot. Grignote mon mou. Bah écoute, on va déjà le tabasser lui. Voilà. Super efficace, on connaît ce Pokémon de type acier. Chevroom. Mais en vrai, on va rester. Mais là, il y a vraiment Chevroom à la Ligue Pokémon, wesh. Hop, on ramène Tsurugi à la vie. On n'est jamais trop prudent. C'est une technique spéciale de la 9G, celle que je viens de faire. Et ça réanime un Pokémon de choix. Bon, il va nous faire Kalinri. Bah tiens, comme ça on va activer le champ herbu. Ok, ça va. L'adversaire est type plante, mais je pense pas que. Déjà, il va nous défoncer. Et puis ça va m'aider à temporiser un petit peu. Voilà. Ce Pokémon-là, il a carry. Il a carry le mec, le premier qu'on a affronté là. Je sais plus comment il s'appelle, Pepper, je sais plus quoi. Hop, Tsurugi. On ramène Tsurugi à la life en entier. Sans utiliser de rappel, nous. Gonflette. D'accord, va falloir commencer à attaquer alors. Parce que là, je sens que ça peut être dangereux en vrai. La vampigraine, ça marchera pas. Ça marchera pas non plus. On va devoir se casser. Attends, terra cristallisation, je suis type quoi moi en terra cristal? Spectre. Non, ça suffira pas. Bah, docteur Dedodile. Vas-y. J'espère juste qu'en face ça va pas faire des cavaleries lourdes.
Parce que, ok, ce Pokémon de la Ligue, c'est de la rigolade, mais bon, s'il se booste, c'est moins de la rigolade. Bon! Bah, nous, on va se booster aussi. Et peut-être même dégager l'autre. Non, pas encore. Mais on s'est boosté. Petit coup de boule, bon, on n'est pas mort, même s'il a plus 2. Ah oh ouais, il fait de la... Il fait de la D. Intéressant. Bon, on va continuer d'essayer de se booster, je crois que ça marche. Ou alors ça marche que sur chaque nouveau Pokémon. Je sais plus. Ah non, ça continue, on se booste. Ok, c'est nice. Délestin. Ça, c'est le Pokémon O. Après, est-ce qu'il est plus rapide que Grignotmom? On va le savoir tout de suite. Alors. Double décharge. Oh, allez. Bon, c'est one shot. Hein. On perd notre type électrique quand on utilise cette technique. Jusqu'à temps qu'on switch, il me semble. C'est comme Flamme Ultime, mais de type physique et électrique. Et là, c'est... Flore éclat. Je pense que c'est type quoi, roche et... Ah, ne crie pas Victor trop vite. Je pense que c'est roche poison. Vu la couleur du truc, il me semble. Après, je suis sûr de rien. Mais dans le doute, on peut faire un close combat. Ah, c'est son dernier Pokémon? Vas-y. Hein. Bah, j'espère qu'après, on affronte Penzi parce que c'est... le combat là, il est pas ouf. Après, je suis peut-être trop haut niveau, je sais pas. C'est ça un petit peu le problème avec avec le monde ouvert. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème à part le tout premier quand même. Ah, j'avais raison, il est bien type proche. Ou au moins un truc dans le genre. Dépôt toxique, ok. Mais bon, t'es mort. Et t'étais Pokémon Terra Cristal. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné là? Ah bah oui. Ah bah j'espère qu'il y a un truc après. Ton talent dépasse toutes mes attentes. Bravo Omegalexy. Non, c'est elle Omegalexy dans cette version. Parce qu'on est en Espagne, péninsule ibérique. Quelle puissance extraordinaire et cette technique sans faille. Je crois bien que la région de Paldea assiste à la naissance d'un nouveau dresseur d'exception. Je te félicite. Et je suis fier de pouvoir t'appeler désormais Maître L Omegalexy. Tu la mérites, c'est Victor. Youpi, tu as réussi. Félicitations. Oh, c'était merveilleux, manquer l'émotion. Oui, c'est reparti. Les dresseurs et dresseuses de Paldea sont les trésors de notre région. Et celles et ceux qui atteignent le rang de maître... sont encore bien plus sont les plus précieux des bijoux. Elle, Omegalexy, je compte sur toi pour montrer la voie à tous les dresseurs de Paldea. Maintenant, permets-moi de te raccompagner jusqu'à la sortie. Allez, dégage. Allez, dehors. Je pense qu'une de tes camarades de classe doit t'attendre avec impatience. Oui, Menzi, la Pokégirl la plus sexy des jeux vidéo. Hello Omegalexy. Ah, ne me dis rien, ça se voit sur ton visage. T'as un rang de maître, hein? Oui. J'étais déjà au courant en fait. La chef m'a prévenu quand tu as réussi ton épreuve pratique. On est maîtres tous les deux, c'est génial. On peut donc se battre sur un pied d'égalité. Alors je te disais pas cette question, mais c'est l'occasion de confirmer. Tu veux bien devenir mon rival? Oui. Super! Super. Et tu sais ce qu'on fait quand on est rivaux et digne de ce nom? Des combats à la pelle. Comment tout au PL, d'ailleurs. Et si on en faisait un tout de suite, je vais absolument tout donner cette fois. Ah ouais, c'est le combat de A à Z, quoi. T'as battu la ligue et juste derrière... Un instant, Mendy! Qu'est-ce qu'il y a, chef? Maître Galaxy vient à peine de finir son examen de maîtrise. Et lui et ses Pokémon doivent être fatigués. Tu sais que maître et maîtresse ne doivent pas faire preuve d'égoïsme. Laisse-le donc se reposer d'abord. Oh, oui, vous avez raison. Oups, j'ai encore été enthousiaste. Pardon, Omegalexy.
Pauvre marmotte! Ouais, c'est mon Pokémon qui est en premier. De plus, souhaites-tu vraiment que le premier combat qui célèbre la nouvelle aventure de la rivalité ait lieu sur un sentier comme celui-ci? Je... dis comme ça, c'est sûr que non. Et dans ce cas, vous pourriez me prêter le terrain de la Ligue Pokémon? Un petit moment, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous trouverez un endroit qui a une signification particulière. Pour vous deux, non? Dans un endroit, oui, on va dans la grotte avec les molosses et les démolosses, c'est ça? Derrière ta maison, Menzi. Trésor culinaire. Derrière ta maison, Menzi. Ah, c'est vrai que là-bas, on a fait notre premier combat. Ah, c'est un endroit que je connais par cœur, y a rien de spécial pour moi. T'as une autre idée? Bon, la ville. Ah, c'est une super idée, c'est la clé, j'ai la commencé. Tu te souviens, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Bon, on va aller affronter quand même le rival maître. À moins qu'il y ait des complications avant. Bon, en tout cas, j'ai envie de voir, est-ce qu'on a obtenu un ruban sur nos Pokémon? Y'a pas de ruban dans le jeu? Sérieux? Ah si! Alors, le ruban maître de Paldea. Le ruban commémorant l'occasion du rang de maître de Paldea est un exploit digne d'entrer au Panthéon. Titre associé, Grignote Mom, maître de Paldea. En tout cas, il est beau, le badge de Paldea. Enfin, le ruban. Je crois que c'est un des plus beaux rubans qu'ils ont jamais fait pour une ligue Pokémon. Si ce n'est le plus beau. Los amigos, cuatro por la mañana, los amigos. On descend du bot. On va faire notre combat contre Menzi, la rivale, hashtag la bonos. J'ai tellement hâte. Ah, t'es bon enfin, et dans ma galaxie. C'est pas tous les jours qu'on est deux maîtres qui se battent. Et ça va trop vite pour moi, et le nombre de spectateurs. Ils ont tous hâte que notre combat commence. Oh là là, ils se font les yeux doux. Truc de fou. Allez, une musique stylée, ou ce sera la même? Je vais te montrer ma vraie force. Alors toi aussi, montre-moi tout ce que tu as appris. C'est le moment de vérité. On va savoir qui est le plus fort. Magnifique. Let's go. Lugaroko. Lugaroga. Ah bah j'ai bien fait de mettre bousillé en premier. Pour changer un peu. J'ai tellement entendu ce moment. Ça va être le meilleur combat de tous les temps. Ah, j'espère. Mais bon, c'est pas en commençant avec un Lugaroko forme diurne que tu vas gagner. Je te dis tout de suite. Ah, ça va suffire. Ouh, c'est un Zoroark. 100% c'est un Zoroark, cette douille. C'est pas possible sinon. Zoroark, bah on va mettre ça. Sur c'est un Zoroark. C'est impossible que ce truc-là soit pas faible à la glace. Ah non, c'est peut-être un Lugaroak. Bon, ben c'est parti. Alors, où c'est que t'as appris l'affinité de type maintenant? C'est toi qui me donnes des leçons? Bon, c'était vraiment un Lugaroak? Ah ouais. Depuis quand c'est plus faible à la glace, le type roche? Je suis perdu, ça y est. Fer de terre. Ah, bah c'est encore un Pokémon fer. Allez, let's go. Ah ouais, non, ça fait quand même mal de voir un 2-0 contre la rivale maître de la ligue, là. Je regrette... comment il s'appelle le frère de Tarak. Hein. Putain, mais encore un Pokémon qui se fait défoncer.
Un 2 sous lourdo. Oh, c'est la forme triple. Mais ça change rien, c'est de la merde. Voilà. Bordel de merde. Je l'ai trichote. Enfin, je l'ai one shot x3, quoi. Oh, le combat de merde. Et elle a un peau marmotte. Vas-y, on fait genre qui est le plus fort. C'est moi qui ai la plus grosse. Let's go. Ah merde, l'absorbe volt. Bon, de toute façon, il va me ken. Hein. Voilà. J'aurais peut-être dû faire ça à sa place, mais bon. J'ai oublié que ce Pokémon avait ce talent. C'est pas grave, je suis pas encore novice en 9G. C'est surtout que ça fait une semaine que j'ai pas joué. Ouais. On va se faire défoncer, mais ouais. Bon, déjà, on gratte. Bluff! Voilà, c'est déjà ça de prix. Ensuite, il va sûrement être plus rapide. Même pas, bah, il dégage. 4-1. 4-1, c'est quand même la Hagra. Hein. C'est la Hagra, comme dirait RBA. Comme Diplodocus. Mais mec, t'es sérieux? Je mets un Pokémon, j'ai l'impression que tu fais exprès que de mettre un truc qui est faible à ce que j'ai mis devant toi, quoi. Bordel. Allez, dégage. Ah, même pas. J'aurais pu terra cristalliser. Et tuer. Oh là 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 là. Et tu rates tes attaques. Allez, dégage. Bon, bah, on passe au dernier. Hein. J'espère qu'il va défoncer toute ma team. Ouais, ça sera un starter. C'est Miascalade. Et bah, vas-y, Miascalade contre Docteur Dedodil. Crois-moi qu'il va pas faire long feu, ton starter de merde. Je crois que c'est type quoi, c'est plan de combat. Alors moi je suis feu spectre, je veux dire t'as aucune chance quoi. Et pour le fun, on va terra cristalliser tous les deux. Et déflagration, brille de mille feux, mon plus grand trésor. Ça fait même zizir. Ok, terra cristal classique. De type plante. My turn. Omae wa mou shinderu. Terra cristallisation. Fire type. Oh, il attaque en premier. Heureusement que je suis devenu type feu. Moi, Sonic meurt. Fini. La victoire est pour Docteur Robot Dedodil. Ouais, bah c'était facile. Je veux dire, il y a eu un mort, et encore c'est parce que je l'ai laissé limite mourir, quoi. Terrible. On va plutôt aller faire Professeur Taureau et tout ça. Tu chiales ou tu fais un dab? Oh, il a fini le jeu. Enfin, une des trois quêtes principales. Tu as réussi. C'est alors, t'es vraiment le meilleur. Ça m'a fait super plaisir. C'est vrai quoi, je me suis donné à fond et tu m'as quand même battu. Ah, je me suis donné à fond. Oh, c'est quand même fou hein, les combats Pokémon, hein. Ah oui, ouais, je suis tout trempé. Ah, ouais. Merci pour celui-ci en tout cas. Partner. Bon, je vais me reposer un peu. Et on remet ça.
Battons-nous encore. Ishioni, Batoliarose. Bon, quel Pokémon je vais utiliser la prochaine fois? Il y a trop de choix. Il y a trop de choix, pas le DA. Ils mettent les crédits? Même pas! La voix du maître, terminée. C'est ça. J'ai envie d'ouvrir des cartes Pokémon de la voix du maître maintenant. Bon, on a terminé cette première quête principale, il y en a trois en tout. Moi ce que je veux c'est le hall d'entrée, ouais. J'ai pas envie d'aller à l'école. Je ferai ça en post-game tout seul dans mon coin. Si j'ai le courage. Retourner à l'école d'un Pokémon, quelle horreur. Merci pour l'abonnement mon boy. Omega Lexi. Oh my god, Lexi. Oh my god, Lexi. Merci.